les députés provinciaux à affronter en âme et conscience la finale de la compétition qu'ils ont gagnée depuis le début. Allez-y, chers élus provinciaux, battez l'ennemi et ramenez-nous la victoire. Tous les sans-courroies du monde entier vous regardent, comme les Juifs qui attendaient la visitation divine et le rétablissement du mur de Jérusalem. Notre peuple vous attend. Il attend le choix du meilleur gouverneur du sans-courrou entre les deux candidats. S'il y a dans cette compétition un Jonas, n'hésitez pas à le jeter dans l'eau, pourvu que le bateau du sans-courrou arrive. Sanctionnons ensemble avec vous la médiocrité et décidons l'avenir de notre province, prioritairement à vocation agricole. Mais que ces médiocres pillent et appauvrissent. Chers élus provinciaux du sans-courrou, notre destin est entre vos mains. À l'avenir de nos enfants et l'avenir de nos enfants en dépend, pardon. Prenez le courage de choisir la bonté, l'amour, la paix, l'unité, la convivialité et le développement du sans-courrou en lieu et place de la médiocrité, de la division, le détournement, le trouble et le pillage de minerais du sans-courrou. Allez-y, chers députés provinciaux. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la province révolutionnaire du sans-courrou. Je vous remercie.